subscribe to this channel and also turn on your notification bell in order to get the latest updates. Life is timidly returning to normal in the Pia village in Sancho in the Menua division of the West region, following the attack by separatists on the Pia market a few days ago. Witnesses recount how the attack all happened and call on the government to come to their rescue in terms of security, considering the fact that they are at the border with the conflict regions. Nos enfants, nous sommes en larmes, ça nous dépasse. La vie reprend timidement au village Pia, dans le groupement Fondenera, arrondissement de Sancho, département de la Minois. C'est la calandre de la voiture. Je ne sais pas là où je vais partir maintenant. Cet espace marchand a reçu vendredi 1er juillet la visite des individus lourdement armés qui ont procédé à des tirs de sommation, ce qui va créer une panique générale. Les riverains les plus téméraires se sont retrouvés ce matin à notre passage pour faire le bilan de cette folle matinée. Nous étions en train d'acheter les plantains bananes. Subitement, j'ai suivi les coups de fusil. Toum, 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 toum. Nous, on s'est mis à fuir. Tout le monde est tombé au champ. Devant moi, ils ont tiré trois coups. Poum, poum, poum. Avec des fusils, avec chargeurs. Oui. Avec des casques. Le premier était habillé en tenue militaire, avec casque à la tête. Oui. Et le reste était en camouflé. L'autre était en blouson cuit. À la calmie, les blessés se comptent par dizaines. Ceux qui sont tombés par terre, les blessés. Il y a les blessures partout. Les enfants, les femmes, les hommes. Il n'y a pas moyen. Si l'on n'a pas enregistré les pertes en vie humaine, les dégâts matériels sont importants. Je suis tombé dans le champ. En revenant, j'ai trouvé la moto en feu. Donc voilà là où ma vie est finie à ce niveau. Pourquoi ils brûlent ma part de voiture? Ils disaient qu'ils ont vu le vert rouge jaune dans ma voiture. Comme j'étais en train de supporter, on jouait la Coupe d'Afrique. J'ai mis les drapeaux dans ma voiture. Il y avait le drapeau du Barça et la France et le vert rouge jaune, le Cameroun. Subitement, ils se sont retournés, ils ont trouvé le vert rouge jaune dans ma voiture. Ils ont cassé la pare-brise et c'est là où ils ont jeté le feu dans ma voiture, qu'ils ne veulent pas voir la République. Même le chez moi, même, je n'ai même rien à la maison. On a brûlé tout. Ma maison, tout. Ils sont venus, ils ont encore recommencé. Nous, on ne sait pas le pourquoi. Nous sommes ici de Fondenera. Ils veulent quoi de nous? Nous, maman, nous, tous, on ne connaît rien sur ça. La plupart des boutiques dans ce marché sont restées fermées. Le phénomène de l'insécurité prend davantage le dessus sur les activités, d'où le cri de détresse des populations. Et nous ne sommes pas en sécurité alors que nous sommes en frontière avec ces gens. Et nous voyons que la sécurité qui est loin à Fongundeng, il fallait qu'on nous mette aussi au moins ça en sécurité. À tout moment, ils peuvent apparaître là et nous ne saurons pas quoi faire. Là où nous sommes là, nous sommes en train de prier que l'État nous aide à nous sauver dans ces genres de souffrance. Nous sommes vraiment dépassés. Nous, on ne sait plus là où on va partir. Il faut que l'État aussi voie nos problèmes. Ou si l'État donne même quelque chose, nous, les victimes, on ne voit même rien sur ça. Même l'État de route ne permet pas que l'intervention soit rapide. La route est pas foutue. Même le camion militaire ne peut pas franchir la zone. Alors que nous sommes à 10 mètres de Tchang. Mais c'est grave pour nous. En l'espace de mois, trois départements de la région de l'Ouest ont été attaqués par des présumés séparatistes. Bangourin et Koptamo dans le Noun, Babadjou dans les Bamoutos et Fondenera dans la Minois. Les incursions de ces bandes armées laissent les populations limitrophes aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans l'inquiétude et le doute quant à leur futur.